Answer that is waiting to be . Là, ce qui est particulier, c'est aller de nuit avec l'orage qui arrive pour une première fois plonger dans l'eau. C'est ça qui a marqué. On va se mettre avec un peu très large. We're going to the storm. Yes. Okay. You ready to do this? Ah mais c'est une vidéo, qui va faire le tour du monde, big up. Ouais. Et là, sous la pluie, pour une première, j'avoue, Isa, qui m'a gâté. Putain, pour une première, sous la pluie, de nuit, on a vu une murène, des rascasses, un poisson lune. Et jet ski. Hihi. Regarde, tu vas faire water patrol. Je vais faire water patrol. I'm gonna be water patrol. Oh yeah. Just before going, just was a little info. I just saw three sharks. Just go cruising. I'm gonna have to get over my fear of sharks. Je suis avec mon pote Lolo. Il y a de la water patrol de Tahiti et puis voilà, donc on va emmener pas de vague aujourd'hui, pas de vague, mais on va aller surfer ailleurs, mais pas de vague à Tsoko, mais par contre l'endroit est juste mystique, mec, double arc-en-ciel, topo en jet ski avec la montagne en fond, regarde le double arc-en-ciel derrière moi, c'est pas magnifique ça? Voilà, donc là aujourd'hui c'est la sortie pour Tsopo et puis là on s'est arrêté, voilà, il y a juste histoire de s'arrêter, de prendre 2 secondes sur un petit atoll, rien que pour nous, voilà, sur un petit motu. On est dans du pas mal, hein. C'est insolemment beau. Le sud de Tahiti, ça peut aussi être ça, se poser dans une petite rivière avec de l'eau bien fraîche comme il faut. T'as l'embouchure avec la mer, l'océan juste là, puis t'as des cascades de partout qui partent là derrière. C'est le sud sauvage et c'est juste bluffant de beauté. Et voilà, le sud sauvage de Tahiti, c'est une tuerie absolue. J'en prends plein les yeux là, j'ai les yeux qui saignent un petit peu là, tu vois. Ouh, tout est moustouflé.